Pourquoi l'Angleterre prépare déjà la mort d'Elizabeth I? Jeudi 28 juin dernier, les ministres britanniques se sont réunis dans le plus grand secret afin de préparer le pire, le décès de la reine. À la seconde même de sa mort, une liste de règles très précises devra être suivie. La fin d'une ère est-elle en approche? Le Times révèle que les ministres britanniques se sont réunis jeudi 28 juin dernier, dans le plus grand secret, afin de répéter la marche à suivre en cas de décès de la reine Elizabeth II. Nom de code, Castle Dove, la colombe du château, NDLR. Ce n'est pas la première fois qu'une telle réunion a lieu entre les différents acteurs impliqués. Cela arrive en moyennement deux fois par an. Sauf que cette fois-ci, la date de cette rencontre, qui était présidée par un membre du cabinet de Theresa May et pour laquelle le ministre de l'Intérieur était présent, a été accélérée. En cause, l'état de santé d'Elizabeth II, à 92 ans, et si elle a célébré son anniversaire en grande pompe, la reine commence à montrer quelques signes de fatigue. Ainsi, jeudi dernier, elle devait se rendre à un service religieux à la cathédrale Saint-Paul, pour le 200e anniversaire de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. Finalement, elle a préféré annuler. La reine ne se sent pas bien ce matin, avait simplement déclaré Buckingham Palace. Pire encore. La reine souffre de graves douleurs au genou, mais refuse de se faire opérer, contre l'avis de ses médecins. Un membre du cabinet de la première ministre a ainsi confirmé que les préparatifs s'étaient accélérés en raison de l'âge de la mère du prince Charles. À sa mort, c'est un protocole extrêmement strict et précis qui devra être respecté. C'est par le message codé « London Bridge est en panne », je répète, « London Bridge est en panne » que son secrétaire privé annoncera la nouvelle à différents émissaires, avant l'annonce officielle. 10 jours de deuil national seront alors décrétés et c'est seulement lors de ce 10e jour qu'Elizabeth II sera enterrée. Avant cela, la dépouille de la reine sera exposée pendant 4 jours au palais de Westminster Hall. Crédit photo, Bestimage chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Elizabeth d'Angleterre.